Photo gypse, gypse rouge et boue. Ce que vous voyez sont trois résidus de l'industrie chimique. Potentiellement très contaminants s'ils sont libérés dans l'environnement. Et un problème historique dans la zone de Huelva. Ces scientifiques de l'université de Huelva ont trouvé la manière d'en tirer parti sans risque pour la santé et la nature. Ils les emploient dans la production de matériaux de construction. Céramiques, lo que en general podemos llamar construcción e ingeniería civil. No tiene ninguna, digamos, aplicación comercial y nosotros un poco lo que buscamos es darle esa salida al mercado. Au travers par exemple de matériaux céramiques comme celui-ci. Y otro de los proyectos, que es el que estamos hablando ahora, es el uso de arcillas naturales, fluviales, no comerciales, sino naturales, mediante la adición de fosfoyeso. Ou des plaques comme celle-ci avec du gypse rouge comme alternative au pladur. Le groupe de recherche physique des radiations et de l'environnement est né il y a 30 ans pour chercher des alternatives aux résidus de l'industrie chimique. Viendo que en Huelva hay un polo industrial bastante grande donde se generan la mayoría de los residuos son inorgánicos, pues optamos por desarrollar esta línea de investigación. Moment venu de poser la question importante, si ce sont des matériaux contaminants ayant même une certaine radioactivité, pourraient-ils nuire à la santé des usagers de ces hypothétiques constructions? Selon leurs études, non. El impacto está muy por debajo de lo que establece la normativa. Queda dentro de la matriz, formando parte de la matriz cerámica, de la matriz en cemento, y eso es lo que hace que no sea disponible, porque queda inertizado. Ils parient sur l'économie circulaire pour que les contaminants ne terminent pas dans une décharge, mais qu'ils reviennent plutôt comme matière première dans l'industrie.